Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, on va voir comment faire rire une femme. Alors pourquoi c'est important? Parce que souvent, une femme va vous dire tout de suite, moi un homme dont je pourrais tomber amoureuse ou un homme qui va vraiment me faire rêver, c'est un homme qui sait me faire rire. Et oui, c'est super important de savoir faire rire une femme, mais ce n'est pas heureusement obligatoire. Et bien sûr, beaucoup d'hommes se demandent ce que c'est que faire rire une femme et vont parfois tenter de se confronter à ce difficile exercice sans forcément avoir de succès. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour qu'une femme soit vraiment dans la bonne humeur et sente un petit peu le rire monter en elle quand elle est à votre contact. Alors faire rire une femme, ce n'est pas forcément être drôle. En effet, pour moi, le secret de l'humour réside dans le contraste entre la façon dont on va dire quelque chose et le contenu de ce que l'on va dire. Et donc le secret de ce rire qu'elle va avoir si naturellement, si sincèrement, ça va être le fait que vous assumiez complètement ce que vous disiez, de croire en votre humour, de croire en le fait que ce que vous dites est pertinent et en même temps assez amusant sans vous chercher à forcément rire de vos blagues. Si vous regardez un petit peu les humoristes, vous voyez que eux, leur secret, quand ils ont un trait d'humour ou qu'ils font rire une scène, c'est qu'eux ne rigolent pas à leurs propres blagues. C'est assez marrant, moi j'ai toujours trouvé ça très 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 curieux et je trouve ça en même temps très sympa parce que c'est vraiment en assumant complètement son caractère, cet humour qu'on a de parfois faire des têtes vraiment bizarres parce qu'on en a envie et parce qu'on assume complètement de vouloir faire une tête chelou que la nana va se marrer, va passer un bon moment. Faut se rappeler d'une chose, c'est que si vous aussi vous avez envie de rire de quelque chose qui vous a fait marrer, n'hésitez pas, soyez sincère, ne cherchez pas non plus à être une porte de prison parce que c'est justement en vous ouvrant, en montrant à la femme qu'elle peut passer un bon moment avec vous, qu'elle aura envie de passer un bon moment avec vous. Moi, j'ai toujours trouvé ça remarquable, la façon dont le rire est communicatif. Quand on regarde quelqu'un rire, parfois on ne sait même pas pourquoi il rigole, mais nous, ben, soudainement, on a notre visage qui s'éclaire et on se marre aussi avec lui. De la même façon, c'est pareil dans une relation, dans un date. Si vous vous marrez pour quelque chose qui vous fait rire sincèrement, généralement, la femme, ben, elle va suivre ce trait parce que c'est toujours plus amusant de rire avec quelqu'un que de parler de sujets qui peuvent potentiellement être beaucoup plus platoniques. Le secret, c'est donc d'assumer complètement ce que vous êtes, d'assumer complètement ce que vous dites, ne cherchez pas à être drôle, incarnez simplement la personne que vous êtes. Si vous avez envie de dire quelque chose qui pourrait potentiellement être marrant, dites-le et assumez-le à 200% et c'est ça qui fera qu'une femme aura envie de se marrer avec vous parce que le rire est réellement communicatif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, dites-nous un petit peu vous ce que vous pensez de l'humour, est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important? Mesdames, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est important pour vous qu'un homme vous fasse rire? Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas aura su répondre un petit peu à ces questions qu'on nous pose souvent. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!